Bonjour, bonjour à tous, c'est Billy le Kid. Voilà, je vous retrouve en exclusivité aujourd'hui. C'est vrai que je ne fais pas toujours des directs, mais c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous retrouver et de pouvoir échanger avec vous autour du nouvel album Impérial qui arrive. Mais avant tout propos, j'aimerais saluer la mémoire d'un artiste, un grand artiste. Jean-Roger Adom du groupe Zouglou Makers, voilà, à qui je veux rendre hommage voilà, à travers ces quelques mots. Un artiste avec qui j'ai tourné depuis pendant pratiquement plus de 7 ans. Voilà, on a fait toutes nos premières armes ensemble, mes premiers concerts. Jean-Roger était là dans les bacs, voilà, sur scène. Et même quand on prenait des routes bizarres à travers les tournées à l'intérieur, voilà, il a toujours été là pendant les moments difficiles. Quelqu'un qui savait toujours garder son calme, qui savait diriger un orchestre. C'était un artiste, voilà, un grand artiste dans tous les sens du terme. Et après, il a eu cette aventure avec les Zouglou Makers qui a été un gros succès. On était tous fiers de lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui va beaucoup manquer, qui va beaucoup nous manquer, beaucoup manquer à la culture, à son groupe, j'imagine aussi à sa famille biologique. En tout cas, voilà, cet hommage t'est rendu. Et pour ça, on a voulu faire une conférence de presse assez sobre, voilà, en hommage à l'artiste, quoi. Respect. Voilà, c'est encore. Sorry. Voilà, bon. Voilà, c'est toujours moi. C'est toujours moi, voilà, en direct aujourd'hui, direct live. C'est un peu compliqué, les histoires des lives. Là, nous, on se cherche encore dans les nouvelles technologies. En tout cas, voilà, pour vous parler de ma carrière, vite fait, depuis les années 90, hein. Depuis les années 90, on a tapé sur les percussions. Billy the Kid était avec les mini-chocs, donc les garagistes. Après les garagistes, il y a eu l'aventure des salauds à part entière de l'art. Des salauds à part entière de l'art. Bon, on a fait 3 albums. Et puis, voilà, la carrière solo a commencé avec Zamba Crow. Après Zamba Crow, il y a eu Terre des Hommes. Terre des Hommes qui m'a véritablement révélé. Donc, après Terre des Hommes, on a fait quoi? Que la lumière soit, que la lumière soit Escale. Après Escale, le dernier album en date, Zouglou Manity. Et aujourd'hui, le 6e album solo de l'artiste Impérial. Voilà. Donc, voilà, ça fait pratiquement près de 30 ans. 30 ans que je vous fatigue un peu les oreilles. Voilà, c'est 30 belles années. En tout cas, c'est toujours un plaisir de retrouver mes fans, toujours un plaisir de pouvoir échanger avec eux, même en concert. Toute cette énergie-là, franchement, je veux vous dire merci. Merci de m'avoir soutenu, parce que vous êtes ma force, vous êtes ma source d'inspiration, vous êtes tout ce pourquoi on se bat. Et puis, on est fiers de revenir encore avec cet album Impérial, quoi. Voilà, donc dernier album en date, dernier album qui va sortir dans quelques temps. L'album s'appelle Impérial. Alors pourquoi Impérial? Parce que Impérial. Impérial parce que dans ma réflexion, je me suis rendu compte quand même que chaque être humain est un empire. Est un empire de par la résilience, est un empire d'émotions. Est un empire d'espérance, en fait. Tout ce qu'on dégage comme énergie, pour moi, chaque être humain est un empire. Et à force de traverser les épreuves, on transcende. Et quand on transcende, on atteint une dimension royale, une dimension impériale. Donc j'ai souhaité, dans cet album, changer la donne. Parce que d'habitude, l'artiste arrive avec sa guitare et ses mélos. Il impose son style et puis tout le monde suit. Mais j'ai voulu travailler avec une jeune génération cette année, des jeunes qui ont aussi leur histoire, qui ont aussi voilà, leur moment, voilà, qui ont aussi leur royauté et leurs épreuves. Et j'ai souhaité que ceux-là me ramènent tout ce qu'ils avaient comme énergie.
Et c'est fort de cela qu'on a souhaité fédérer toute cette énergie-là pour créer quelque chose qui a de la dimension. Donc, à ce projet-là, j'ai voulu donner le titre impérial parce que pour moi, comme je l'ai dit, les empires, au-dessus de l'empire, il y a le roi. Et le roi, c'est tout un symbole, c'est son histoire aussi. Et puis, fédérer tous ces empires-là pour créer vraiment une dimension assez transcendantale, j'ai envie de dire. Voilà, donc une dimension impériale. Bon, comprendra qui pourra, c'est la philosophie. Voilà, donc cet album, c'est un album très, très urbain. Un album très urbain. J'ai travaillé avec des jeunes comme Momo Wang. Momo Wang qui a arrangé certains titres de l'album. Il y a aussi JC Beat. JC Beat qui a été mon guitariste pendant 3 ans. Aujourd'hui, qui est de l'autre côté, qui est en hexagone et qui est un très, très, très bon beatmaker. Et il y a aussi Cédric Canavaro. Cédric Canavaro, un garçon très talentueux. Donc j'ai voulu cette énergie, cette jeune énergie. Voilà, ils m'ont proposé leur composition et moi je suis rentré dans leur univers pour créer ce cocktail-là, inattendu. Voilà, ce qui donne une coloration assez urbaine de l'album. Et puis tout ça, ça a été béni par un vieux de la vieille qui s'appelle Babulax Lee. Babulax Lee qui était là au départ et qui est encore là. Voilà, c'est lui qui a fait l'intro de l'album et le dernier titre de l'album. Donc voilà en quelques mots voilà la présentation d'Impérial. Voilà, et puis sur Impérial, j'ai été vraiment très touché par le professionnalisme d'un certain nombre d'artistes. Déjà Didi B, que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Pour moi, c'est une véritable rockstar. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui triche pas quand il est sur scène, ça chante avec le cœur. Ça a été pour moi un grand plaisir de pouvoir échanger avec lui sur le titre On Dead Ça. Voilà, une collaboration qui s'est faite tout naturellement. Et puis il y a aussi Juice qui est de l'autre côté, qui est du côté de l'Europe et tout, bon, qui est en séjour à Abidjan. J'aimais bien le flow déjà sur le net. Donc tout ça, c'est des jeunes. Que je kiffais déjà et j'ai voulu partager cet album-là avec eux. Voilà, qu'il y ait une belle interaction, comprendre leur univers, entrer aussi dans leur univers, parce que nous qui faisons de la musique depuis 30 ans, on se dit souvent que c'est nous qui devons tout donner aux jeunes, alors que c'est complètement faux. Moi, je me suis nourri de ces jeunes-là. On a tellement de choses à apprendre de ces jeunes-là. Ils n'ont pas forcément les mêmes réflexes. Ils n'ont pas forcément les mêmes codes. Et c'est toujours un bonheur de travailler avec cette génération, cette nouvelle génération. Et puis, il y a eu Zebayou aussi, avec qui j'ai fait un titre qui s'appelle Didi Bara. Didi Bara, l'Iroko. Voilà, un hommage à mon manager aussi que j'ai perdu dans la lutte, Diaghen Aboué. Voilà, donc c'est les trois feats sur l'album. Les mêmes visages nous courissent la vie. Épargnez-nous. Yeah. Il y a des milliards pour se faire la guerre. Yeah. C'est le Mandjari. Yeah. Bon, ça, c'est un de mes titres préférés. Ça s'appelle Mandjari. Bon, sur l'album, on a mis Mandjari. On a duratisé ça un peu, quoi. Sinon, c'est en italien. C'est Mandjari. Voilà, manger, quoi. Vieni Mandjari, venez manger. Voilà, ça, c'est. C'est une phrase qui nous avait bien plu quand on était en tournée en Italie avec Petit Denis. Vieni mangiare, mangiare, on a bien aimé. Donc, ce titre parle du mangement généralisé, incontrôlable autour de nous. Et non? Parce que je me rends compte que plus il y a une grosse partie des populations qui sont un peu dans la merde, j'ai envie de dire, et en même temps, autour de nous, on sent.
une explosion de nouveaux riches et d'expressions de richesse autour de nous qui peuvent être frustrants par moments. Donc, je le dis, pendant que les politiciens sont en train de nous faire asseoir autour de la même feuille, en train de manger dans la même soupe, j'ai comme l'impression que tout le monde empoche des milliards, tout le monde s'enrichit de façon licite ou illicite, mais toujours est-il que ça pose certaines interrogations quand même. On vient à la politique pour servir, mais j'ai comme l'impression que nous, la politique, c'est pour s'enrichir. Et c'est flagrant, souvent c'est même frustrant, quand tu penses que des jeunes sont obligés de se jeter à la mer matin, midi et soir pour aller à Lampedusa juste par désespoir. Souvent, on refuse de voir des choses, mais la réalité, elle est là. Il y a un groupuscule de personnes qui mangent tout, même les restes, et puis il y en a qui triment encore, quoi. Voilà. C'est l'histoire de ce titre, Mandiaré. Vous allez écouter, vous m'en donnerez des nouvelles. Yeah. Ceci n'est qu'une chanson. Elle ne va pas changer le monde, malheureusement. Juste donner un peu de force à ceux qui rêvent encore. Quand il y a mon grand mec au commis. Fitirido, c'est l'année matin. Louange et loucan, atteint. Yes, changer le monde. Le titre, c'est Changer le monde. Comment changer le monde, justement? Je ne pense pas qu'on puisse changer le monde avec une chanson, mais c'était pour moi une occasion de donner un peu de force, comme je le dis dans la chanson, à ceux qui rêvent encore d'un monde plus juste, plus équitable, en fait. En fait, dans ce morceau, je décris un certain nombre d'événements qui ont heurté un peu ma vie. Voilà, le premier, c'est les crimes rituels. Les crimes rituels à chaque élection, les enfants enlevés, retrouvés ça et là, égorgés, voilà, à qui on impose des choses horribles. Il fallait en parler, parce que à force de s'habituer à ce genre de choses, ça devient malheureusement plus ou moins normal. Il y a des gens qui pensent que leur situation sociale leur donne le droit d'ôter la vie ou de faire ce qu'ils veulent de la vie de nos enfants, de la vie d'autrui. Donc j'en parle et puis je parle aussi voilà, un peu du Burida, toutes ces artistes qui triment. Voilà, malheureusement, on n'arrive pas à s'entendre sur l'essentiel pour imposer nos lois, pour dicter nos lois. Et pendant plus de 30 ans, les artistes sont en train de se faire des guéguerres inutiles. Et j'ai dit, plus il y a les moyens et plus nous on a faim. Il y a tellement d'argent aujourd'hui que l'industrie musicale génère, mais malheureusement, vous avez les artistes qui continuent de toucher le fond. Voilà, donc j'interpelle pas mal de faits sociaux sur ce son que j'aime beaucoup, Changer le monde. Allons-y, changeons le monde. Elle va laisser mourir. On va la valider. Doucement, doucement. Allons-y seulement. Doucement, doucement. Tu me vois, tu me connais pas. Doucement, doucement. En Sensei. Ouais. Yeah. Doucement, doucement. Allons-y seulement. On est paré. Donc, on est paré, c'est un peu l'hymne à la guerre, quoi. Hein? Trop de personnes veulent nous voir humiliés. Et voilà, chaque jour on est dans la résilience, chaque jour on est dans le combat permanent, dans nos vies, différentes vies, et puis dans nos vies professionnelles aussi. C'est un morceau qui me touche beaucoup. Morceau sur lequel je suis en feat avec Noldy aussi, que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Et Noldy, qui est un artiste qui est de l'autre côté aussi, il vient d'un pays là où il y a toujours les tsunamis, là. J'oublie un peu l'Amérique. J'oublie un pays d'Amérique là, où il y a toujours des tsunamis et des trucs. La première nation indépendante noire, Haïti. Yes. Donc il vient d'Haïti.
un très 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 gros artiste. Voilà. Donc on est pareil, parle de ça, parle de résilience surtout. Voilà, quelles que soient les épreuves, il faut toujours la trouver la force de rebondir. Parce que ma vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille aussi. Donc il y a toujours certaines interactions, certains coups de... Je n'ai pas envie de dire coups de pute, mais c'est quand même des coups de pute dans le dos. Et l'artiste transmet tout ça en musique. Donc c'est ma façon à moi de résister. Il faut rester toujours focus sur l'objectif, c'est le plus important. Voilà, les adversités arriveront de part et d'autre, toujours. Voilà, on ne transcende pas, voilà quoi, en croisant les bras. Il faut toujours rester fort dans la tête, comme on le dit, restons forts car les forts survivent. Donc c'est ça, on est paré. Allons-y seulement. Yeah. Et vous n'y verrez que du feu, vous allez vous rallier. Yeah. Balancez, balancez, balancez. Yeah. Ce soir, on fait la fête. La petite gueule sur le côté qui va nous obliger. Ce soir, on fait la fête. Yeah. On dette ça pour faire la fête. Voilà, c'est un titre sur lequel je suis en featuring avec le mot Javelli. Voilà, Didi B, à qui je dis merci et puis un grand respect pour son professionnalisme et puis pour son sens de la fraternité. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, on a échangé sur ce titre arrangé par Cédric Cannavaro. Voilà, on a essayé de mixer les deux univers en fait, l'univers rap et puis l'univers Zouglou. Donc il y a des parties où c'est chanté avec la cloche qui fait qu'est-ce que donc musicalement, on a essayé de fusionner les deux univers et c'est un son que j'aime particulièrement. Voilà, on dead ça. Yeah. Pra pra. Ça c'est le retour aux sources. Ah, voilà, le retour aux fondamentaux. Voilà, c'est le morceau Zouglou le plus roots de l'album. Voilà, ça s'appelle Zouglou.30. C'était pour moi une occasion de rendre hommage à tous les faiseurs de Zouglou, tous ceux qui ont milité hier et qui continuent de militer encore pour l'émergence de cette musique. Une façon pour moi de leur dire bravo. Voilà, c'est pas évident, ça n'a pas été évident en 30 ans. De faire rayonner cette musique-là. Plusieurs générations sont là. On continue de garder la flamme haute. Et là encore, je pense encore à Jean-Roger, voilà, avec un petit pincement au cœur. Voilà, c'est mon hommage à tous les faiseurs de Zouglou, ancienne génération, génération intermédiaire, jeune génération en tout cas. Merci pour le combat. Merci à tous ces jeunes qui continuent de faire rayonner cette musique-là. Voilà, c'est la musique qui m'a tout enseigné. C'est une véritable école de vie, le Zouglou. J'adore cette chanson. Voilà, c'est la deuxième chanson Love de l'album Impérial. Voilà. Écoute ton cœur, ça s'appelle Écoute ton cœur. C'est-à-dire en petite situation difficile, en amour, le plus important, c'est de pouvoir écouter son cœur. Aujourd'hui, on vit dans des sociétés où les couples se séparent à l'appel. Et juste à cause des autres, mais jamais vraiment à cause des personnes qui se mettent ensemble. Voilà, dans une relation, le plus important, c'est savoir écouter
son cœur et pouvoir écouter son cœur dans tous les moments de doute, en fait. Voilà, parce que la langue qui confesse la vérité doit la confesser pour unir les gens, pas les séparer. Alors ne séparez pas ce que Dieu a uni, en un mot. Écoute ton cœur. Sombi, yeah. 30 années de musique, aujourd'hui tu reviens avec un 6e album. À quoi est-ce que les mélomanes doivent s'attendre? Quel est ton coup de cœur dans cet album-là? Wow, quel est mon coup de cœur dans cet album? J'ai beaucoup de coups de cœur dans cet album, beaucoup de cœur. Ben, je dirais, voilà, tous les sons ont une histoire particulière, pardon. Parce que tu prends un titre comme Baba God, c'est l'un des premiers titres qui ont été enregistrés. Et je pense que ce titre me parle beaucoup. Et puis, c'est une nouvelle histoire à raconter. Parce que pour moi, un nouvel album, c'est pas que de nouvelles chansons, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle énergie à donner. Donc ça s'explique à travers les chansons. Voilà, c'est un album qui va être très urbain, qui va changer un peu de ce qu'on a l'habitude de donner. Voilà, un album qui sera très universel, parce qu'on a impliqué pas mal de jeunes, pas mal de culture aussi musicale. Voilà, 30 ans de carrière, 30 années qu'on pratique la musique, donc les autres aussi ont eu l'occasion de s'imprégner de ce qu'on a fait depuis 30 ans et puis ils nous le rendent d'une certaine façon. Voilà, donc ça sera un bouillonnement d'énergie à travers cet album, quoi. Est-ce qu'on doit s'attendre à Sombi avec sa guitare, comme on le voyait auparavant? Oui, il y a des titres acoustiques. Il y a un titre acoustique que j'ai fait avec Momo Wang, justement. C'est très acoustique, un ou deux même. Mais bon, Sumbil avec sa guitare, bon, ça c'est pour des versions personnelles. Mais en tout cas, dans cet album, c'est quelque chose de très éclectique. Vous avez plusieurs sensibilités, plusieurs feelings. Vous avez de l'acoustique, vous avez de la pop, vous avez du zouglou, vous avez du reggae, vous avez tout, quoi. En tout cas, j'ai voulu faire un album qui ne vous ennuie pas quand vous l'écoutez. Voilà, donc à partir de l'intro, c'est plusieurs univers comme ça qui sont présentés à ceux qui nous écoutent. Donc l'impérial, d'où le titre impérial. Donc chacun donne ce qu'il a, sa dimension en fait. Et puis nous, on essaie de mettre tout ça, de fédérer tout ça, puis en donnant un album. Et Sumbil, on sait que Sumbil, c'est une voix, c'est un talent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'artiste pense qu'il est au sommet de son art? Au sommet de son art, j'espère que j'aurai toujours quelque chose à me prouver à moi-même. Moi, le premier challenge, c'est contre moi-même d'abord. C'est-à-dire artistiquement, je pense qu'aujourd'hui, toute modestie mise à part, on a pu atteindre quand même une dimension qui nous permet de comprendre qui nous sommes artistiquement et puis de pouvoir partager tout ce qui nous a nourris en 30 ans. Maintenant, au sommet de son art, on n'atteint jamais le sommet hein, pour un artiste parce qu'on a toujours quelque chose à se prouver à soi-même. Mais il est à un niveau, on va dire, à un niveau artistique acceptable pour l'instant pour moi, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération? Qu'est-ce que je pense de la nouvelle génération? La nouvelle génération d'artistes, je pense que il y a un gros potentiel. Je pense que les codes sont plus forcément pareils, mais il y a une différence de style, une différence de façon de communiquer. Je pense que voilà, maintenant c'est tout le deal derrière, toute la façon de gérer les carrières derrière qui doivent grandir encore. Nous, on n'a pas eu la chance d'avoir forcément voilà, toutes ces, comment dire ça, toutes ces nouvelles technologies, tout ce qui s'implique aujourd'hui dans la musique moderne. Je pense que
Il y a un gros potentiel, en tout cas générationnel, aujourd'hui en matière de musique en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Pourquoi Didi B et pas un autre artiste ? Waouh, pourquoi Didi B et pas un autre artiste ? Didi B parce que j'aime le flow, j'aime ce qui dégage comme énergie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai bien voulu choisir Didi B. Je me vois un peu, quand j'étais encore un peu plus jeune, très bouillonnant, voilà, j'apprécie l'artiste qu'il est. C'est pour ça que mon choix s'est fait tout de suite. Mais je pense que au niveau du rap, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les talents qui manquent. Mais Didi B, pour moi, c'est la rockstar, quoi. J'aime bien échanger avec cet artiste-là. Ok. On voit beaucoup Avant l'Aube sur vos pochettes et tout, les pochettes d'albums. C'est quoi Avant l'Aube ? Avant l'Aube Musique, c'est mon label. Donc, le label de Soumbil. Avant l'Aube Musique, c'est la maison qui gère Soumbil depuis pratiquement maintenant près de 10 ans. Voilà, on fait des concerts, on fait des productions d'albums, on produit aussi quelques artistes. Voilà, c'est Avant l'Aube Musique, c'est le label de Soumbil, donc qui a produit Zouglumanity et qui produit Impérial, voilà, qui a produit les 25 ans de carrière de Soumbil. Donc tout ça, c'est Avant l'Aube Musique. Voilà. Cet album est-il le dernier ou envisagez-vous un autre ? Oh, cet album, non. Jamais le dernier. Vous savez, quand on a ce virus-là en nous, il ne se guérit pas. Je pense que l'artiste donnera toujours de la voix, l'artiste sera sur d'autres projets, forcément parallèlement à la musique. Voilà, on va essayer de développer de nouveaux talents justement à travers mon label et puis voilà, aller vers d'autres choses. Mais la musique reste là, ça ne bouge pas. On aura l'occasion peut-être de faire plus de featuring avec d'autres artistes d'ici et d'ailleurs. Voilà, aujourd'hui, c'est cet échange-là qui me motive. Mais Impérial, il fallait un cachet spécial. Voilà, une autre façon de donner ce que j'ai encaissé pendant toutes ces années voilà, à mon public. Voilà. Et pour vous, c'est quoi le futur du Zouglou ? C'est qui le futur du Zouglou ? Oh là, le futur du Zouglou. Le futur du Zouglou, je pense que le futur du Zouglou dépendra de ceux qui gèrent le Zouglou lui-même. En tant que mécène, ceux qui gèrent la carrière des artistes Zouglou. Parce que c'est vrai que nous sommes venus à la musique, nous sommes venus au Zouglou de façon spontanée. On n'a jamais pensé au business derrière, on avait envie de faire de la musique. Et c'est tout ce qui nous a conduit depuis toutes ces années. Aujourd'hui, je vois de nouvelles générations de managers, de mécènes, des gens qui se mettent autour pour que les artistes puissent vivre de leur art. Ça va être le plus gros challenge. Pour moi, le futur du Zouglou, c'est ça. De créer des pépites qui puissent vivre de leur art, qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses villas, qui vivent de façon décente, qui peuvent assurer pour des générations l'avenir de leurs enfants ou de leur famille. C'est ça le plus important. Pour moi, le futur, le plus gros combat, c'est là qu'il est. Voilà, merci à tous. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver online, là, pouvoir échanger un peu avec vous, vous parler du nouvel album. Donc, Demain dans les bacs, Billy the Kid, voilà, avec Impérial. Voilà, c'est un délice sonore. Voilà, donc vous pouvez vous procurer l'album de façon physique dans tous les... je crois que c'est Socosé, à la FNAC, toutes les librairies de France aussi. Et puis, vous pouvez vous faire livrer les CD. Voilà, il suffit juste d'appeler les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Et puis, on se fait un plaisir de vous livrer cet album-là. Donc, distribution aussi digitale assurée par Universal Music Africa et tous ses partenaires. Voilà, Impérial, l'album Demain dans les bacs. Ça fait 3 ans. Nous sommes en studio, ça fait 3 ans qu'on essaie de réfléchir pour vous donner la good vibe. J'espère qu'on pourra toujours mériter votre amour et votre respect.
Voilà, merci d'avoir suivi le direct et puis on se dit à très 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 bientôt, surtout on stage. Billy le Kid sera en live très bientôt, hein, le 24 juin. 24 juin, retenez la date. Sofitel Hôtel Ivoire, et le 2 juillet, on sera au Palais de la Culture, comme d'hab. Déluge de son et de lumière, toi-même tu sais, le Kid impérial. Big up, Paul. Oh.